Yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, enfin je refais une nouvelle vidéo sur les mangas. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un manga que j'ai apprécié. Donc ça s'appelle Servamp. Donc Servamp est un shonen. Donc le genre c'est comédie et fantastique. L'auteur est Tanaka Strike. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais je pense. Pas sûr, enfin bref. De l'éditeur français Doki Doki et japonais Media Factory. Il est pré-publié dans le Monthly Comic Genie. Je sais pas si ça se prononce comme ça, dites-le moi dans les commentaires si c'est pas comme ça que je prononce, enfin si je prononce mal quoi. Et la sortie initiale était en 2011 et c'est un manga qui est en cours encore. Pourtant l'animé il est fini, donc il y a 10 volumes pour l'instant. Donc du coup, la première diffusion de l'animé a été pour le 5 juillet 2016. Et il existe 12 épisodes. Donc du coup, maintenant le synopsis. Donc le personnage principal se nomme Shirota Maeru. Donc c'est un jeune lycéen. Donc un jour il recueille un chat noir. Sans se douter qu'il s'agit d'un servant. Donc un servant c'est un vampire servant. Un vampire servant. Représentant un des 7 péchés capitaux. Et du coup il va se révéler qu'il veut rien foutre quoi. Et Shirota Maeru qui est devenu son maître. Et il va rapidement être entraîné dans des conflits entre vampires. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc mon avis, c'est un très 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 bon manga. Peut-être pas non plus très 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 bon, mais c'est un très bon manga. J'ai vraiment bien aimé le côté vampiresque. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, on va dire. C'est un assez bon manga. Si vous aimez les mangas de vampires, allez-y, foncez. Vous le regretterez pas. Il y a beaucoup d'action. Et on s'ennuie pas beaucoup, voire pas du tout dans ce manga. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez aimé. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis qu'on se retrouve à une prochaine vidéo. Et bye bye tout le monde.